Alors, cette semaine en lecture, nous avons travaillé sur les lettres, sur le champ des lettres. Donc pour ça, j'ai créé un petit jeu de loto de l'alphabet. Donc, ça se trouve facilement sur Internet, ça s'imprime. Donc vous distribuez une plaque à chaque joueur, des jetons. Et pour le tirage des lettres, donc moi, j'ai pris mes petites glaces. Voilà, que je vais tirer au hasard. Donc vous connaissez le principe du loto, bien entendu. Donc, il y a un joueur qui tire les... Bon, c'est vous, notamment. Vous allez tirer au hasard une lettre. Donc, moi, j'ai pris mes petites glaces, mais vous pouvez prendre des lettres mobiles ou vous imprimer des lettres sur papier, comme vous voulez. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous montrez la lettre au joueur, et donc, s'ils ont la lettre sur leur plaque, ils mettent un jeton dessus. Donc, quand vous montrez la lettre, vous faites le chant en même temps, donc le zzz. Donc moi, c'est ce que j'ai fait en atelier. Ou alors, si votre enfant est plutôt performant, il connaît bien ses lettres, vous ne montrez pas la lettre, mais vous dites son chant. Donc le zzz ou le z, comme vous voulez. Donc ça, c'est une petite nuance en fonction d'où se trouve votre enfant. Donc, le zzz. Alors, est-ce que les autres joueurs ont le zzz? Non. On continue, je tire une lettre, le E, donc ainsi de suite. Chaque enfant met un jeton si il possède la lettre. Et donc, le joueur qui a rempli sa carte a gagné et peut dire bingo. Donc je leur ai appris à dire bingo. Voilà, donc ça permet de travailler sur... les lettres, leur chant, comment elles s'appellent, tout simplement. Donc vous pouvez faire ça plusieurs fois, les enfants ont adoré en tout cas le faire en classe. Donc vous pouvez le refaire à la maison, autant de fois que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une belle journée.